Salut à tous, donc aujourd'hui je vais me taper la grotte du héros. Là c'est la troisième fois que je la recommence, donc je commence à connaître les énigmes du début. Hein, parce que j'étais bloqué à la 7e ou 8e salle. Enfin je vous dirai quand j'y serai. Vous allez voir, c'est sadique. Donc première salle. Alors le but c'est d'appuyer sur les deux boutons. Bon, en temps normal, il faudra mettre les deux pots sur les deux boutons en fait. Mais vu que là on a la canne de Somaria, on a besoin que d'un pot. Donc je vais faire le plus facile, donc celui de gauche. Voilà. Donc, suivez bien mon mouvement. Enfin, mon mouvement, bon, truc. Ma position quoi. Donc voilà, à chaque fois il faut refaire le tour en fait. Donc le plus dur dans les pots, c'est qu'on peut pas les... Enfin, s'ils sont poussés contre le mur, c'est foutu. Parce qu'on peut pas les tirer, hein. Seulement les pousser. Voilà, et là, normalement, il faudra faire un truc, vous voyez, parce qu'on peut... On peut pousser ça, là, dans un certain sens. Donc voilà, il faudrait faire en sorte de d'arriver sur ce... Enfin, de mettre ce pot là-dessus. Mais bon, canne de Somaria, hop. On va pas s'emmerder. Donc ça c'était la première salle. Hein. Donc là ça a l'air facile mais faut deviner quand même. Tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo j'ai eu du mal. J'ai dû me reprendre à 3 fois pour comprendre. Là alors là je sais pas comment j'avais fait. J'avais réussi à me démerder mais je sais plus comment. Alors ça je sais que j'avais pas besoin des trucs, des pots. Je sais plus comment j'avais fait. Hélas. Donc là c'est pareil, le but c'est de mettre le petit truc bleu là sur le bouton. Je sais plus du tout comment j'avais fait. Je sais que j'avais pas utilisé les pots. Non, c'est pas ça. Là, vers le bas ou vers le haut? Non, vers la droite, je veux dire. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça apparemment. Ouais, là on est bloqué. Quoique, attendez. Non. Ce qui veut dire que c'est pas là qu'il faut le mettre. Donc vous verrez que je vais pas tout faire d'une traite. D'ailleurs, il faudra plusieurs vidéos sans doute. Hein. En fait, c'était un piège de connerie, il faut le mettre directement par là. Putain, mais on peut pas bouger ça alors, comment tu veux qu'on fasse? Donc à droite ou en bas? À moins qu'il fasse. Ouais, mais non, on n'a pas le choix. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'était vicieux. Là, encore plus vicieux, puisqu'il faut lancer la bombe. Voilà. Sur le rocher. Avec le bon timing. Un petit peu trop tôt, là. Oh, trop tôt. Ah putain, trop tard. Trop tard. Non, putain! Enculé! Ouh putain! Oui, désolé, mais. des insultes là, mais. Il me restait plus qu'une bombe et j'avais pas envie de recommencer la vidéo. Oh là! Je transpire. Putain, j'aurais dû faire le plein de bombes avant de venir là. J'ai fait une grosse connerie. Là, bon, j'ai réussi à deviner tout à l'heure comment fallait faire. En fait, vous allez voir, il y a deux ponts. Bon, bah, je vais d'abord tuer les ennemis. Tant qu'à faire. Voilà. J'adore. Alors, en fait, là, vous allez voir, faut s'équiper plume de Pégase et graines. Parce qu'en fait, il faut arriver là, voilà, de l'autre côté du pont. Hein. On fait comme ça. Alors, attendez, laisse trop haut. Trop haut à gauche, je veux dire. Comment j'avais fait, putain? Voilà. Donc vous avez compris. Le but c'est de faire ça et de se manier. Voilà. Et on a bien la clé. Bon, après, ça c'est impossible de le franchir de toute façon. Voilà. Donc on tombe, on remonte. Et clac. Là, faut tuer eux.
Bon, bah ça c'est pas dur, hein. Juste que mettre deux ennemis de slip. Salaud. De mettre ces deux ennemis ensemble, c'est pas très sympa. Vu qu'eux ils nous bouffent le bouclier et qu'on a besoin des boucliers pour retourner eux. Mais si vous avez bien suivi mes vidéos, vous savez que même sans bouclier, on peut les tuer avec. On peut les retourner avec la pelle, hein, les espèces de tortues là. Enfin, ça ressemble à rien, mais bon. Donc là, c'est une énigme qu'on a déjà vue aussi. Il faut allumer tout en même temps. Alors là, j'ai mis pas longtemps pour deviner ça. Parce qu'au début, je me suis dit hop, mais là, on peut partir une deuxième fois. Donc en fait, il faut se mettre là. Ouais, c'est ça. Là, vous faites ça. Le sac là et la graine qui rebondit sur les trois autres. Et ça déverrouille ça, ce qui nous permet d'aller au suivant. Et je crois d'ailleurs que ça nous permet de venir ici directement aussi. Donc là, la première fois que j'ai fait la vidéo, j'ai dû la recommencer, j'ai fait une grosse connerie. Voilà. J'ai fait une grosse connerie, c'est que j'ai. En fait, là, vous voyez le truc, ça. Faut le reproduire. Mais moi, je l'ai reproduit autour de ça, alors qu'il fallait faire autour de ça. Donc j'ai mis 1 heure à le faire. Après, je me suis dit, oh, mais quel con! Et puis j'ai tout recommencé, voilà. Et je raconte ma vie. Voilà. Donc là, on a besoin de ça. Donc là, le truc, c'est de pas les bloquer contre le mur. Surtout pas. Et sinon, bah, franchement, c'est le truc le plus simple jusqu'à maintenant. C'est très facile, ça. Alors, je veux dire, si là, vous êtes bloqué là-dessus. Bah, faites pas la suite parce que vous y arriverez pas. Voilà, c'est tout simple. Et comme vous voyez, il manque un bloc bleu. Et bon, on le prend d'ici. Voilà. Et on continue notre chemin. Donc, salle suivante. On est déjà là. 1, 2, 3, 5e. Donc, ça, c'est la 6e salle. Parce que je compte pas la salle d'entrée. Hein. On les tue, on s'en fout. Voilà. Donc là, on pourrait continuer direct. Mais je vais quand même vous montrer le petit bonus. Alors, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à trouver. Vous allez voir, bon, je vous montre ce que ça fait quand on sait pas. Voilà, faut appuyer sur ce bouton. Sauf que là, vous voyez, on peut pas le pousser par là. Donc, on est bien obligé de le pousser par là. Du coup, on peut plus passer par là. Et là, on est obligé de passer par là. Et du coup, on peut pas atteindre le coffre parce qu'on est bloqué des deux côtés. Le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut. Hop. Pousser ça là. Ouais, c'est la mèche. C'est pas drôle. Bon, alors, voilà. Tac, tac. Et voilà. Et 200 rubis. Donc, ça, c'est optionnel, hein. Il y a deux trucs optionnels comme ça dans ce donjon. Et là, bah, c'est la salle où je me suis arrêté la dernière fois. Mais j'ai finalement réussi à trouver comment faut faire, mais j'ai mis tellement de temps que la vidéo était foutue, donc je vais recommencer. Bon, je fais n'importe quoi. Voilà. Alors eux, sauter, taper. Sauf s'ils sont près du sol, dans ce cas, taper. Pas la peine de sauter dans ce cas. Et tuer les tous avant de. Avant de commencer parce qu'ils sont chiants, ils enlèvent beaucoup de cœur, hein, vous voyez. Et en plus là je l'anneau bleu. Ils me font chier là. Là. Ah mais il me saoule pas. Il est chiant celui-là. Essaye de me foutre dans les trous ça. Voilà. Bon. Là ça va être dur là. Donc on a besoin de ça. Donc vous voyez, il y a des petits blocs. On peut, voilà, hein, vous connaissez. Et il faut mettre les deux trucs bleus sur le machin. Oui, je sais, c'est vachement précis comment je parle. Donc voilà, donc il faut mettre ce truc bleu sur le truc bleu et pareil, celui-là, là. Donc celui-là, vous voyez, si on l'amène là, il faut qu'on se retrouve là pour pouvoir pousser ensuite. Il faudra mettre un des trucs pour se retourner là-bas. Et ici, ben voilà. Donc,
Ouais. Non, c'est pas ça. Attendez, là, vous allez voir, c'est bien sadique. Merde, loupé. En fait, faut faire en sorte qu'il se casse. Aïe. Attendez, est-ce que je vais bien équiper l'anneau bleu là? Ouais, non, ça. Attends, je vais équiper ça. Donc ça, c'est un anneau qui régénère les cœurs très lentement, mais qui les régénère, quoi. Donc là, en fait, faut faire en sorte de se retrouver tellement au bord du truc que ça considère qu'on est dans le trou, en fait. Donc quand on se retourne, voilà, il se casse. Vous avez vu, c'est pas mal. Là, ben voilà. Oui, parce qu'il nous gêne, en fait, ce bloc, après. C'est pour ça qu'il faut le tuer tout de suite. Donc ça c'est vraiment un truc de salopard, parce que pour fallait deviner, quoi. Alors attendez, est-ce que j'ai fait la bonne truc là? Je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, je peux plus retourner en arrière là. Il doit y avoir un moyen. Et voilà. C'est bon, en fait. Non, non, c'est pas bon. Voilà, bon, là, c'est foutu. Je dois tout recommencer. Quoique, attendez. Non, c'est bon, en fait. Je raconte n'importe quoi. Voilà. Donc là. Donc là, faites pas la connerie de pousser le truc, hein. Voilà. Donc maintenant, ça c'est bon. Une salle de plus. Oups. Et voilà. Là, on tue tout le monde. De toute façon, quand il y a des ennemis, il faut les tuer, hein. Ils servent pas, les ennemis, ils servent pas à résoudre les ennemis. Donc là, c'est pareil, on pourrait passer directement à la salle d'après. Qui est une salle machin, là, vous connaissez. Là, on va pas le faire. Donc voilà. Là, faut y a un moyen, mais je sais plus lequel. Non, c'est pas ça. Maintenant. Alors là, c'est quoi ce truc? Alors, là, je vois pas là. Bon, on verra. Donc là, c'est pareil, faut appuyer sur les deux boutons. C'est le bordel. Voilà. Et bien visé, hein. Et là, faut faire apparaître un deuxième pont en poussant l'autre. Donc là, c'est le bordel aussi. Ouais, merde. Génial. Donc ouais, mais il doit avoir un moyen, mais comment? Parce que regardez, on peut pas le pousser plus d'une fois là. C'est ça que je comprends pas. Ou alors, attendez. Non. Oh, attendez, à moins que. Oh putain, ça marche. Je savais pas qu'on pouvait le faire à travers. Ah, mais c'est sympa ça. Là, franchement, je viens de découvrir un truc. Enfin, je devais déjà le savoir vu que j'ai déjà terminé cette boîte du héros, mais. Oh, mais dégage. Il est chiant, lui. Bon, on va le laisser faire. Ah, il y a un moyen pour se débarrasser d'eux facilement. C'est le seul moyen d'ailleurs. Ou le petit bug. Voilà. Alors. Et là, bah, on l'a déjà fait tout à l'heure, donc facile. Hein. Oui, on apprend plein de trucs sur les objets quand même dans la grotte du héros, quoi. Ok, j'ai pas compris à quoi ça servait, mais. Ah, il y en a un qui fait apparaître le coffre, d'accord.
En a un qui fait apparaître le pont et l'autre fait apparaître le coffre. Alors vous voyez, je suis tombé là, ça m'a régénéré. Grâce à l'anneau. Non. Voilà. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors vous voyez, je mets du temps. Je suis à peu près à la moitié là. Donc je pense que ça va se terminer en deux vidéos, si je me dépêche. Mais qu'est-ce pas, putain, faudrait que j'arrête de faire de la merde aussi. Quand je pense que c'est un truc optionnel en plus. Allez, arrête. Ouf. Ah. Ok. Bon, on s'en fout. Vous voyez, là, ça permet de revenir là directement. Donc voilà, on peut revenir. On n'a pas besoin de tout se retaper, si bon, si on recommence. Donc là, on va, comme d'habitude, tuer tout le monde d'abord. Voilà. Et là, c'est pas si dur que ça. Parce qu'en fait, il suffit de faire le tour. Enfin, au début, il suffit de faire le tour, en fait. Enfin, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Voilà. Et on continue. Voilà, c'est à partir de là que ça s'est inséré, je crois. Attendez, 1, 2. Hop. Ouais. Merde, c'est foutu. Voilà, c'est foutu là. Ah, c'est dur, c'est dur. Ça a pas l'air comme ça, mais. Attendez. C'est pas le plus dur qu'on a fait, je trouve. Quoique. Ça, j'en suis sûr qu'il faut faire ça. Attendez, l'autre fois j'étais parti vers le haut donc ça allait pas. Ce qui veut dire que cette fois faut aller par là. Voilà. Ça. Ok, pour l'instant c'est bon. Merde, c'est foutu. Chier. Ah mais non, je viens de me rappeler. Oh putain, je me rappelle, c'est le truc de connard. C'est impossible en fait. Attendez. Vous avez vu, est-ce que c'est pas un truc de gros con ça? Alors ça c'est vraiment un truc de salaud. Enfin, c'est vrai que. Putain, j'avais oublié ça. Je me rappelle que j'avais cherché je sais pas combien de temps, j'étais allé voir sur internet après parce que j'y arrivais pas. Bon bah écoutez, là on en est à la salle numéro 11 là. Là je viens d'arriver à la 11e. Il y en a 15 en tout. Donc bah, je pense que les 4 dernières. Enfin 11, 12. 5 dernières, pardon. Donc ouais, les 5 dernières, bah, c'est pour la prochaine vidéo, voilà. Donc ça sera fait en deux vidéos normalement. Allez, à ciao!